Nous, c'est Claire et Antoine, on a décidé de partir voyager en Indonésie il y a quelques semaines. Dans l'épisode précédent, on vous faisait découvrir le magnifique Rainbow Village de Malang et la cascade de Tumpak Sewu. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on vous emmène au Mont Bromo. Salut à tous! Alors, il est 1h du matin, on vient de préparer toutes nos affaires pour aller voir le Mont Bromo. On a fait une petite sieste d'environ 2h, 2h30. On est un petit peu fatigué, mais c'est pas grave parce qu'on va découvrir quelque chose de magnifique. Ouais. Et dans cette vidéo, vous pourrez voir tous les beaux paysages. Alors, on vous emmène avec nous. C'est parti! Salut ma cassée! Salut ma cassée! La beauté de la Jeep! Hello! Yes! Ça va? I'm small, but. Okay. La première fois que je monte derrière une voiture comme ça, c'est trop cool. Je sais pas si on va beaucoup dormir. Hein. Let's go! Découverte du petit-déj de l'hôtel, on a demandé à ce qu'il nous fasse un petit package. Alors des frites, un œuf et un club sandwich, ah non, des petites tranches de pain de mie avec de la confiture et je pense de la mayonnaise pour les frites et des saucisses. Bon ça va, Antoine aura de quoi manger quand même et ça a l'air d'être assez complet, c'est cool. On a fait un stop dans une... Je sais pas quoi. Il y avait plein de jeeps. Je pense que c'est peut-être un péage ou un droit d'entrée dans la zone. Le driver nous a laissé. Bon. On espère qu'il va revenir quand même. Dans la petite baraque bleue là-bas. Je suis bien installée moi. Ouais, t'es bien là. J'ai deux options. T'as de la place pour tes jambes. Voilà. Soit la place genre un peu trop. Alors après là, je suis plus attentive au paysage et tout. Mais j'ai de la place, c'est cool. Moi je suis devant. Bah pareil, hein, j'ai un peu de place. C'est sommaire. On se retrouve au milieu d'un passage encore avec plein de gens. Après 3 heures de jeep, de virage et de route un peu cabossée, on vient d'arriver près du viewpoint, du point de vue. Donc on doit encore grimper un peu. Et on attend le lever de soleil. On escalade des petites marches à la frontale. L'oxygène est un peu plus rare ici. On est un peu essoufflé. Mais le lever de soleil, je pense que ça va être dément. On avance un peu à l'aveugle, mais c'est pas trop long. Hein. On suit tout le monde. Bon, il y a une sorte d'arène là. Avec des grosses rambardes. Et là, on peut imaginer la montagne. Thank you.
petit-déj avec vue. C'est quand même pas trop mal comme décor, hein. Bon bah ça y est, on ressort de ce panorama magnifique. Ouais, on n'a même pas de mots. C'est impressionnant. On n'avait jamais, moi j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est trop beau. Ouais. Et là, on se redirige vers notre jeep du coup pour descendre vers le cratère pour encore, j'imagine, de superbes paysages. On vient de descendre dans ce qu'ils appellent la mer de sable. Donc c'est vraiment au pied des volcans avec la Jeep. C'est super. C'est magnifique. On se répète, mais c'est des paysages qu'on n'avait jamais vus, donc... À couper le souffle. On paraît tout petit au milieu de tout ça. Mmh. Donc on est attendu par une armée de chevaux. On a traversé l'océan de sable. Et là, on avait le choix entre des chevaux ou y aller à pied. Mmh. Pour l'instant, on y est à pied. Mmh. On va voir... si on arrive à monter. It's okay. On va y aller doucement, mais... Sûrement. Allez, c'est parti pour l'ascension. On sent qu'on va faire une descente. Bon, les marches sont plus très loin. Il nous faut une petite demi-heure pour arriver aux marches à un rythme assez tranquille. Donc là, il y a une horde de chevaux qui nous attend pour descendre. Bon, il nous reste plus que les marches à gravir. On manque un petit peu de souffle, hein. Mais ça vaut le coup quand même de le faire par soi-même. C'est parti pour les marches. C'est pas simple, je suis essoufflée, parce qu'Antoine il a grimpé ça comme une gazelle, mais la vue en vaut vraiment le coup. D'un côté on a les montagnes,
On était de l'autre côté tout à l'heure, avec la vallée, et de l'autre, le cratère. Bon bah définitivement les escaliers c'est plus facile à descendre qu'à monter, enfin en tout cas pour moi. C'était en doux, bon c'était fait. Ça y est, ils sont derrière nous. Maintenant on va pouvoir continuer à descendre bah, jusqu'à la Jeep. Tout en faisant attention parce que ça reste quand même du sable. Donc, ouais. Attention de ne pas glisser. Prenez vos chaussures avec crampons. Qu'à retrouver notre Jeep et puis après ça sera bon. Alors en termes de technicité pour les vêtements, il faut que vous apportiez quelque chose de plutôt d'assez chaud parce que quand on attend le lever du soleil il fait vraiment frais là-haut, même froid. Ouais. Et je vous conseille même d'amener soit quelque chose pour mettre sous vos fesses parce qu'en fait on est assis et donc c'est assez froid ou par-dessus vous, genre un sarong ou quelque chose comme ça. Et autre chose, pour le trajet, ceux qui ont mal de transport, prenez des médicaments parce que c'est comme ça. Et si vous avez mal au dos, pareil, les jeeps sont assez tape cul, faut le dire. Mais avec tout ça, vous devriez vous en sortir. Ça y est, retour à la Jeep. Il faut prendre leur soupe d'abord. Elle est bleue, ça devrait aller. Le Mont Bromo c'est terminé pour aujourd'hui, ça nous a bien fatigué, là on est dans la Jeep pour rentrer à l'hôtel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser des pouces bleus, à nous laisser des commentaires et bien sûr à continuer à vous abonner à la chaîne. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo à Banyuwangi pour vous faire découvrir encore plein de jolies choses. Ciao, ciao. A, B, C... M, B, E, M, 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 M,